السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدقي شيخ. اليوم عيني نتكلم على الولايات المتحدة يعني والتلاعبات نتاعها، يعني هي قابلة ومش قابلة، يعني كشغل قاعدة تحيل. يا هل ترى حيلة بالنسبة لها، يعني كيف تتغلب على سوريا من بعد ما لعبت لها هذا المؤامرة ونجحت فيها بالنسبة للأسلحة الكيميائية اللي كانت مكسوبة يعني من طرف السلطة السورية مقابل يعني الكيان الصهيوني اللي عنده أسلحة يعني نووية وبيولوجية وكيميائية. يعني لما نجحت أمريكا أن تجرد سوريا من الأسلحة الكيميائية اللي كونتها يعني سوريا باش تقابل التهديدات الإسرائيلية ضدها. اليوم على كل حال سوريا مضت على اتفاقية لا استعمال الأسلحة الكيميائية يعني في حروب، ولكن دائما إسرائيل يعني دائما كسبة الأسلحة النووية بتاعها والبيولوجية والكيميائية. إذا نتقدم بهذا التحليل. Certains spécialistes ont déterminé trois objectifs liés les uns aux autres en relation avec le projet américain en République arabe syrienne, commençant par des troubles et des guerres jusqu'aux frontières avec la Russie, et créer les conditions propices pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, pour atteindre le but ultime qui est de préserver le système pétrodollar. En fait, la survie des USA, c'est bien le maintien du système pétrodollar. Les études stratégiques montrent bien la tendance des Américains de déclencher une troisième guerre mondiale dans le but d'annuler leurs dettes et les dettes de leurs alliés en attaquant les pays créanciers, puisque ces dettes ont atteint un niveau insupportable. Produit national brut, seul moyen d'effacer les dettes de trillions de dollars. Avant 40 ans, l'étalon or, en comparaison avec le pétrole, d'où est né le système pétrodollar, après un accord survenu entre les USA et l'Arabie Saoudite. Le baril de pétrole équivalait à un dollar américain. Nous en sommes aujourd'hui à un baril équivalent à plus de 100 dollars américains. Et donc, celui qui veut acheter le pétrole saoudien se doit de convertir sa monnaie nationale en dollars. Et après 2 ans, donc l'organisation de l'OPEC, depuis cette décision entre les Américains et les Saoudiens, l'organisation l'OPEC a décidé de vendre finalement le pétrole en dollars américains. À la suite de ce système, les banques fédérales américaines reçoivent un intérêt énorme pour chaque dollar imprimé, puisque toutes les conversions se passent dans les bureaux de change américains. Et ainsi, Washington peut subordonner tous les suiveurs qui utilisent finalement le système pétrodollar. Au niveau mondial, les exportations de pétrole d'Afrique et du Moyen-Orient constituent seulement 10% des besoins domestiques des USA, qui ne consomment finalement que 10% d'importations. Ces 10% d'importations, en très peu de temps, deviendront 0% d'importations. «
Et donc, les Américains, leur but est de lutter pour que ce système pétrodollar soit toujours maintenu. Que la vente de tout pétrole dans le monde se fasse en dollars. Et donc, le maintien du système pétrodollar si bénéfique pour les USA. Qui leur procure finalement des gains et des fortunes colossales. Les relations fortes entre la Chine et l'Iran constituent une menace pour les capitalistes qui composent finalement le système financier américain. Le commerce entre les deux pays, Chine et Iran, se fait désormais suivant les monnaies locales et pas en dollars. Et l'Inde et la Chine achètent le pétrole iranien en or. De même, la Russie développe une confiance plus grande avec son rouble, avec les États voisins, ce qui fait que Moscou et Pékin deviennent les ennemis véritables des USA et donc les ennemis des réserves fédérales des Américains. Dans leur guerre de défendre le système pétrodollar, si cher au Conseil de coopération du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite et les autres, les terroristes de Jabhat al-Nusra, qu'ils utilisent de la mouvance d'Al-Qaïda, cherchent à se faire le chemin vers la frontière russe, passant par la Syrie et l'Iran. Et lorsque, à cause de la résistance syrienne, ce chemin est bloqué, les USA ont tenté et tenteront d'allumer finalement la Troisième Guerre mondiale, même à partir de la Syrie. La Russie et ses alliés ont réussi à retirer la mèche du baril de poudre jusqu'à maintenant. Guerre qui aurait créé les conditions d'une Troisième Guerre mondiale que cherchent à provoquer les USA. La démonstration de la puissance militaire russe en Méditerranée pour protéger la République arabe syrienne, ainsi que l'action diplomatique russe pour que les USA revoient leur calcul de croire que lors d'une troisième guerre mondiale, ils sentiront vainqueur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.